Bien bonjour à tous, comme vous venez de l'apercevoir très très rapidement, nous sommes en présence de Hello World de Freeplay qui a bien voulu me passer le fichier afin que nous puissions constater par nous-mêmes que tout était vrai. On n'en a jamais douté, comme on l'a écrit dans nos news Freeplay, et quelqu'un qui est tout sauf un faker. Alors, nous voilà sur la PSP Go. Alors, vous pourriez douter de plein de choses. Je vais vous montrer deux, trois petites choses amusantes. Alors, on va appuyer sur les touches. Alors, c'est pas une vidéo, hein, vous voyez. Quand on touche ou qu'on appuie, il se passe des choses. Hein, donc, à l'écran, accessoirement, les petits points, la mèche qui tombe change de couleur. Donc, c'est. Alors, bien sûr, vous pourriez penser que tout ça est une vidéo, mais comme je vous montre, les boutons ne sont pas. Ne sont pas loqués, voilà. Donc j'éteins la console. Rallume la console. Voilà. Comme vous le voyez, donc point de vidéo, c'est bien un Hello World. Alors je vous donne pour ceux qui ne verraient pas très bien. Parce que YouTube doit être fatigué. Hello World for PSP, firmware, etc. Now for the PSP GoNet, un petit jeu de mots. La PSP Go on Aid, Exploit for Anonymous, SDK, Freeplay. Voilà. Donc, petit rappel vite fait. C'est un exploit très sympathique, très, j'allais dire, symbolique surtout, parce que c'est sympa de voir du code fonctionner sur une PSP Go. Par contre, pas de stress, pas de buzz inutile. Ceci pour l'instant ne sert certainement pas à faire ou à donner la possibilité de lancer des ISO ou ne serait-ce qu'un HEN ou ne serait-ce qu'un custom firmware sur la PSP Go. C'est un exploit qui pour l'instant est, comme je vous l'ai dit, déjà plus spectaculaire, plus sympathique que. Qu'utile. Voilà. En tout cas, merci à Freeplay de nous avoir fait confiance, de m'avoir fait confiance. Voilà. Donc, on vous dira pas quel jeu utiliser parce qu'on ne sait jamais. Hein, il pourrait servir. D'ailleurs, on vous dira même pas si c'est un jeu qui est utilisé parce qu'on est. On va pas dire comment c'est fait. En tout cas, c'est amusant. Voilà. Vous avez devant les yeux le premier et peut-être pas le dernier. Exploit sur PSP Go. Voilà, donc on va sortir. Alors, comme vous l'avez fait remarquer dans une news, on n'a besoin d'appuyer que sur la touche Home pour quitter. Voilà. Et nous revoilà sur une PSP Go. Voilà. Donc j'espère que ceci mettra fin à tous ceux qui disent non, mais c'est un faker et tout ça, ça sert pas à grand chose. Comme vous le voyez, on est vraiment sur une PSP Go. Il y a eu du code. Désolé que cet exploit ne serve pas à plus pour l'instant, mais en tout cas, vous avez pu voir et constater que c'est du vrai, du lourd, du bon. Alors, amis, heure à l'heure, passez votre chemin. Bonne journée à tous. Merci encore à Freeplay et à bientôt.